penser ce que je pourrais dire que c'est que Lobat a été. Il est parti de son statut, de son état d'opérateur économique pour envahir le terrain politique où il a excellé. J'animais une tendance avec lui face au Bokar Tsek, au Kali de Kenemé, dans le département. Nous symbolisions la tendance B. Voilà. Nous, c'était la tendance B, les autres, c'était la tendance A. C'est eux qui avaient la coordination. Nous, on était presque une opposition dans le Parti Socialiste, dans le département. On avait des rapports avec les autres, des rapports très courts. Très paraternel. On discutait, on se rencontrait. On se rencontrait, hein? Les deux tendances se rencontraient et discutaient du sujet du département. On se rencontrait et on part. Vraiment, on était là, on se donnait parfois, on quittait ici, on se donnait rendez-vous à Gamadi, à Djoumou ou à Bumba, à Dodélé. S'il fallait accueillir une autorité, on allait ensemble aussi. On était tout ensemble. Lobat, c'était un type, sa marque de spécialité, c'est un type très généreux, vraiment. Il s'est donné entièrement, très humble, hein, très simple, il s'est donné pour le département. Voilà. Disait tantôt donc qu'il a doutiné à un certain moment, par devers lui, quelque chose comme 300 cartes grises, véhicules, tout genre. Et là, tout dernièrement, il n'avait que, bon, à part les petits véhicules qu'il avait, il avait deux bus transport en commun. Il a tout dépensé, tout mis. Mais ça ne le gênait pas. Ça ne le gênait pas. Qui faisait face à toutes les situations et qui vivait avec les gens du département.